Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Pardon. Alors, ça y est, il y a le retour. Dites-moi tout de suite, si vous pouvez, si vous m'entendez, pour être sûr que tout fonctionne bien. J'ai fait un test avant, mais dans le doute. Bonjour à toutes, j'ai vu qu'il y en avait déjà plein qui étaient arrivés, j'ai raté des noms, je suis désolée. Coucou Sandrine, coucou Marotine, Muriel, Émilie, Héloïse, Cathy, bienvenue Béatrix, bienvenue, bienvenue, coucou Fabienne, Cécilia, il y a du son, super, merci Émilie, c'est top, coucou Véronique. Everything is okay, darling. Bonjour Marcel, comment ça va? Oui, le temps est un petit peu maussade, mais justement, voilà. De la couleur, du partage, un live créatif, voilà ce qu'il nous fallait pour cette petite heure. Vous m'entendez bien, donc c'est super. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Marie-Thérèse, coucou Muriel. Nouveau live créatif, nous sommes mercredi, il est 14h. Eh bien écoutez, si vous me rejoignez pour la toute première fois aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Voilà, si je ne vous vois pas tout de suite, bien sûr, je ne manquerai pas de vous répondre après le live avec grand plaisir. Mais voilà, faites-moi un petit coucou quand même. Coucou Karine, bienvenue. Hello Viviane, ça me fait plaisir de te voir ici aujourd'hui en tout cas. J'espère que ça va. Coucou Laurie. Bonjour Nadine, je vois qu'il y a plein plein de monde, c'est super. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos profils, vos murs. Attention, ne les partagez pas sur les groupes auxquels vous appartenez de mes collègues. Voilà, simplement par respect pour notre travail à toutes. Coucou Sandrine, comment ça va? Hello ma belle Camille. Aujourd'hui ça va Viviane? Bon, c'est super. Donc voilà, j'espère juste que vous allez passer un bon moment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, faites-moi un petit coucou. Si la vidéo vous plaît, likez, partagez. Voilà, ça me donnera un petit coup de main et ce sera vraiment adorable de votre part. Coucou Annelise. Hello ma Fabienne. Et puis voilà, je vous souhaite surtout de passer un bon moment en ma compagnie et en la compagnie, bien sûr, de toutes les fidèles personnes qui sont là chaque mercredi. Voilà, je ne peux rien vous souhaiter de plus ou de mieux. En tout cas, vraiment, j'espère que tout ira bien pour vous. C'est toujours un bonheur. Merci, ma Cathy. Je commence déjà à avoir chaud, donc je risque d'avoir encore les joues rouges à la fin du live. Alors, quelques petites infos avant de démarrer ce live créatif. Vous allez voir d'abord, la carte, elle est très, très, très simple à réaliser. Donc, elle est vraiment accessible à tous les niveaux de scrap. Donc, ça va permettre aux débutantes eh bien, de prendre du plaisir et puis d'apprendre une nouvelle façon de faire une nouvelle carte, tout simplement. Et puis, aux plus habitués, aux plus aguerris, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir vous éclater avec la déco. Hey, coucou Patricia, bienvenue. J'ai vu aussi que vous étiez abonnée à mon profil Instagram. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir que vous m'ayez rejointe aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, il faut changer la couleur du rideau. Tu crois que c'est le rideau qui fait ça? Pourquoi tu mets un gros pull? Bah parce que quand je travaille dans mon atelier et que du coup je ne bouge pas plus que ça, j'ai pas chaud. Voilà. Mais dès que je suis là avec vous et que je commence à vous parler, eh bien je me réchauffe petit à petit. Voilà. Du coup, vous allez me dire que je devrais faire des lives un peu plus souvent, mais bon, c'est du boulot. Pardon, excusez-moi. Coucou Béatrice, comment ça va? Alors, dans les infos, cette semaine, je vous promets, je vais essayer d'être très rapide, mais il y a quand même des infos qui sont intéressantes pour vous. Nous sommes à 12 jours de la fin de la Celebration. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Celebration, c'est une période promotionnelle de 2 mois chez Stampin' Up, pendant laquelle... Non, je veux pas retirer mon pull, j'ai qu'un petit débardeur en dessous. On va éviter, Francine. Une période promotionnelle de 2 mois, pendant laquelle... Vous bénéficiez de plein de choses. La première, c'est que vous pouvez gagner des cadeaux
des 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros d'achat. Donc une dizaine de cadeaux à choisir dans une brochure que vous pouvez retrouver donc sur Facebook dans les liens au-dessus de la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo en replay, par exemple sur YouTube, le lien sera lui en bas dans la barre d'infos. Donc vous pouvez la télécharger ainsi que la version aussi numérique du mini catalogue. Ensuite, cette période de Celebration, donc vous l'avez compris, 12 jours, le 28 février, elle sera terminée. Elle vous permet aussi, lorsque vous allez rejoindre mon équipe, eh bien, d'obtenir deux sets de tampons gratuits, offerts, dans absolument ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même génial, dans le catalogue annuel, dans le mini-catalogue, deux sets de tampons, vraiment, c'est génial. Si vous avez des questions, si vous avez envie de sauter le pas et de rejoindre mon équipe, je me ferai une joie de répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en direct. J'aime beaucoup ça, papoter, hein, et puis voilà. Donc je suis à votre disposition pour ça. Autre information aussi, les inscriptions à la box mensuelle d'Harmony Scrap sont ouvertes depuis hier et jusqu'à dimanche. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour recevoir votre première box au mois de mars. Voilà, donc ça y est, c'est ouvert. Certaines d'entre vous ont reconduit leur abonnement et je les en remercie sincèrement. Coucou Carole, ça va ma belle? Hello Sandrine! Donc merci beaucoup d'avoir prolongé votre abonnement, ça veut dire que ça vous plaît toujours autant au bout de 6 mois ou 1 an, non 6 mois du coup parce qu'on n'a pas encore fait l'année. Donc ça c'est top. Je vous affiche les infos rapidement, voilà. Coucou Christelle. Concernant la box mensuelle, donc c'est pareil, vous retrouverez évidemment le lien avec toutes les infos et pour l'inscription, le formulaire en haut de la vidéo sur Facebook, en bas dans la barre d'infos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe des boxeuses, c'est comme ça qu'elles s'appellent entre elles, puisque bien sûr on a ouvert aussi un groupe privé pour que les boxeuses puissent partager leur plaisir, leur création avec ce qu'elles auront reçu de leur box mensuelle. C'est un petit colis surprise, donc vous ne savez jamais à l'avance ce que vous allez recevoir. Donc chaque mois, c'est un petit peu Noël. Voilà. Je suis sincèrement désolée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un chat dans la gorge. J'ai lancé aussi en septembre ce que j'appelle le club des anniversaires. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit cadeau le mois de votre anniversaire. Donc vous pouvez sans problème vous y inscrire. Toujours le lien en haut de la vidéo et en bas. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît. Mais dans la box, il y a des lots entiers. Non, pas forcément des lots entiers. Si tu regardes l'abonnement, tu verras. Ça paraît compliqué de faire des lots entiers. Mais voilà, c'est des échantillons de plein de choses. Ça peut être de la colle ou des papiers. Voilà, c'est une box surprise. N'hésite pas, Francine, à te rendre sur le lien. Tu auras beaucoup plus d'informations. Alors, vous le savez, on est fan des kits. Et en fait, là, 20 minutes avant de démarrer le live, j'ai enfin reçu les produits qui me manquaient pour la box de février. Donc les boxeuses, pas de panique, après le live, je termine de compléter vos colis et ils partent dès demain matin sans faute. Donc allez-y, starting block les filles, surveillez vos boîtes aux lettres et vos boîtes mail. pour le tarif de la box Béatrice, eh bien, tu verras à la fin du live, si tu veux, le lien juste au-dessus de la vidéo où il y a marqué inscription box mensuelle. Ça va t'emmener sur l'article de blog où j'explique le contenu et j'explique aussi, je donne les tarifs avec l'abonnement. Voilà, voilà. Donc je vous disais, j'ai reçu mon petit colis UPS que j'attendais avec grande impatience. Et j'ai reçu le nouveau kit, le cadre magnétique. Alors, je ne veux pas déranger celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. On est là pour un live créatif. Mais quand même, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez envie que je l'ouvre avec vous? Il est juste à côté de moi. Est-ce que vous voulez le découvrir en direct? Que je l'ouvre? De rien, Béatrice.
que je l'ouvre et puis que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'est ce nouveau kit tableau magnétique. C'est du home déco, c'est vraiment trop trop beau, au moins sur les images qu'on a pu en avoir pour l'instant. Alors, je voulais... Ah non, je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là, mais je l'ai en vrai. Alors, est-ce que vous avez envie de le découvrir? Marcel, oui, elle est curieuse. Fabienne, elle a envie de découvrir aussi. Célestina, bienvenue Célestina. J'ai pas le souvenir de vous avoir déjà vu sur le live. J'espère que vous allez passer un bon moment. Véronique veut le voir aussi. Lydie, oh là là, je vois plein de cœurs. Ok. Alors on l'ouvre. On va essayer de pas y passer trop de temps pour qu'on puisse enchaîner sur la création de la carte. Donc, je vais pour cela basculer. Voilà, il y a une pluie, une avalanche de petits cœurs et de pouces. C'est génial. Bonjour Anne-Marie, comment ça va? Allez, je bascule. Voilà. Coucou Karine, comment ça va? Alors, c'est dans une grande boîte hein, que ça nous arrive. Voilà. Donc ça, forcément, puisque le cadre est déjà monté. Hop, vous voyez, hein, je ne vous mens pas. C'est encore tout emballé. Donc je vais le sortir du carton. Je l'ai eu hier, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Bah tu vois, Béatrice, c'est top. Bonjour Marie-Claire, comment allez-vous? Bienvenue à vous. Moi non, tu veux pas Annelise? Bon bah écoute, ferme les yeux, tu verras rien. Donc, dans un premier temps, eh bien on a le classique cadre. Voilà, donc ça, hein, rien de surprenant. Donc il est magnétique, donc on va pouvoir aimanter des choses ici. Et donc le contenu. Hop, je vais sortir tout ça. Donc nous avons des feuilles de papier design. Je sais, il y a des moments où c'est flou, mais ne vous inquiétez pas, ça s'arrange toujours. Allez, petite caméra, sois gentille. Remets-toi, voilà. Ça, c'est super joli. Donc en fait, ça peut se mettre, hop, ça se met dans le cadre. Voilà, comme ceci. Recto verso, donc ça vous permet de changer si vous le souhaitez. Il est léger, pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour l'accrocher. Ouais, je le constate aussi. Alors, le reste. Nous avons une petite boîte ici. Hop, je vais sortir tout ça. Pas le temps de le préparer avant, vraiment. Il vient juste d'arriver. Donc ça, ce sont deux petites enveloppes qui vont venir en fait s'accrocher au tableau. Donc tous les plis sont déjà pré-marqués, donc ça c'est super. Et puis du coup, si vous en voulez d'autres, vous pouvez tout à fait vous servir du patron pour pouvoir en refaire si le cœur vous en dit. Dans la petite boîte, nous avons, et oui, les petites pinces qui sont donc aimantées. Vous voyez, on a l'aimant là, à l'arrière, qui vont pouvoir donc se poser sur le cadre pour pouvoir faire tenir nos photos, nos listes de courses, nos rendez-vous à pas oublier. Donc ça, c'est super pratique. Le double face. Donc les pinces, on en a 6. Et ici, tout un tas de petits embellissements. Trop jolis. Alors, elles sont belles ces couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Du recto verso, alors on peut même écrire dessus. Ça, c'est top. L'ardoise bourgeoise. C'est joli tout plein. Donc ça, c'est un rappel par rapport au grand papier. Ici, pareil, on peut écrire dessus. On a plein de jolies cartes, hein, on a plein de couleurs toutes douces. Tout ça, c'est facile pour de les recréer aussi. J'ai pas vu l'arrière. Ah oui, parce que je découvre en même temps que vous, hein. Les petites enveloppes pour les enveloppes trucs machin. Eh oui. On a vraiment tout ce qu'il faut, les petits pense-bêtes et tout, ou les anniversaires, ça c'est vraiment super. Coucou ma Laurence, ça va ma belle?
Oh, puis alors on a vraiment de quoi faire, hein. Du coup, il y a vraiment la quantité, c'est vraiment super de pouvoir adapter. On a plein d'étiquettes, donc pas de panique, je sais, vous voyez ça en allemand, mais il y a toutes les langues, enfin français, anglais, allemand. Hop, donc là on a allemand. Ici nous avons anglais, mais pour les anglophones, c'est tout à fait facile à lire. Et voilà, on a aussi le français. Elles sont trop belles, ces étiquettes. Elles sont autocollantes. Pardonnez-moi. J'adore. C'est vraiment super joli. J'aimerais bien un live créatif calendrier. Ah oui, Annelise, je vois ce que tu veux dire. Coucou Karel, ça va ma belle? T'en fais pas, tout va bien. Donc voilà. Bah alors, vous en pensez quoi de ce kit? C'est top, hein? Ici encore de magnifiques embellissements. Ils sont eux aussi autocollants, des étiquettes, des fleurs, des papillons, on a même des flèches. C'est top, des jolies frises. Encore des étiquettes sur lesquelles on peut même rajouter des sentiments. Donc ça, c'est génial. Alors, Marcel, non, ce n'est pas sur le catalogue, c'est sur la boutique en ligne. Vous avez le lien des kits en haut de la vidéo, là, vous pourrez le trouver. Et ce kit ici complet, il est à 31 euros. Ouais, c'est joli, hein? Voilà. Bon, bah super, hein, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il est vraiment trop bien. Et donc, à chaque fois, dans tous les kits que vous pouvez trouver sur la boutique, 31 euros tout compris, Anne-Marie. Vous avez le lien qui va vous diriger vers tous les kits disponibles en ce moment. Et celui-ci, donc, est à 31 euros. Et la référence du kit, je peux vous la donner. Hop. Bougez pas. C'est 159 335. Je suis sûre que la référence va vous apparaître très très bientôt dans les commentaires. Et donc à chaque kit que vous achetez, vous avez à chaque fois le déroulé du montage, que ce soit des cartes, des cadres, etc. Donc pour les novices ou même pour les enfants, c'est l'idéal. Vous avez vraiment toute la procédure, étape par étape, le pas à pas pour monter les projets. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci Drindrin, je m'en doutais. Donc voilà. Pour ce petit kit cadre magnétique, on a vraiment tout ce qu'il faut. On peut le customiser, on peut le changer au fil du temps. Ça va être super, j'ai hâte de le monter du coup. Alors, je mets ça de côté et puis on va commencer notre carte. Ça marche? Allez, hop, je me fais de la place. Qu'est-ce qu'il est beau! Toc et toc, et voilà. Alors. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la base pour réaliser une. Tiens, la chasse au trésor. Oui, j'ai oublié d'enlever les alarmes. Je suis désolée. Mais non, non, il n'y a pas de chasse au trésor aujourd'hui. Donc, une carte à pliage facile. Voilà la carte de présentation. Donc, comme je vous le disais, vraiment hyper simple à faire, mais on peut s'éclater avec la déco. Et ça, on aime bien quand même. Donc, voilà comment elle se présente. Et elle s'ouvre. Tout simplement comme ceci. Donc ici, c'est collé. On a du coup de la place pour écrire ici. J'ai mis un petit matage à l'arrière pour embellir encore un peu plus même l'intérieur de la carte parce qu'on a tendance à l'oublier un petit peu. Et puis au pire, on a encore de la place derrière si bien sûr on a un long, long, long message à envoyer au ou à la destinataire. Ici, bah, du coup, j'ai un petit peu customisé l'enveloppe aussi en tamponnant ici. Et en rajoutant une bande de papier à l'arrière. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Celle-ci, je l'ai réalisée, vous la reconnaîtrez sûrement, puisque je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont complètement fans de la collection. Eh bien, il s'agit de symbole porte-bonheur qui est dans le mini catalogue. C'est une collection qui est vraiment magnifique, qui a énormément de succès en ce début d'année. Elle se présente, ce papier se présente sous format 15, 30 par 30. Et vraiment, il est juste magnifique. On peut vraiment faire des choses trop trop belles avec, quel que soit le projet, des cartes, des cadres photos, des albums. Vraiment, on peut s'éclater avec cette collection. Aujourd'hui, je vais travailler avec notamment un lot de papier qui fait partie des cadeaux Celebration dont je vous parlais en début de live, qui s'appelle
Après la pluie, le beau temps. Ça va être tout doux, mais un petit peu plus punchy, vous allez voir. Bien pour les cartes pour hommes aussi. Oui, Anise, effectivement, ça s'adapte parfaitement bien pour les hommes aussi. Est-ce qu'il y aura un replay pour la vidéo? Ne fais que te couper. Oui, Céline, aucun problème. Le replay est toujours donc sur ma page Facebook. Et après le live, vous pourrez la retrouver sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et partout, ça s'appelle Harmony Scrap. Voilà, donc c'est pas compliqué. Harmony Scrap en un seul mot avec un Y. Vous la trouverez sans problème. Alors donc je vous disais, voilà la collection. Donc là, on essaie sur du papier 15-15. Donc il y avait plein, plein, plein de motifs. Allez, sors de là. Voilà. Tiens, il m'en manque un mot. Non, elle est là. Elle est à l'envers. Voilà tout ce que vous pouvez trouver dans ce lot de papier. Offert des 60 euros d'achat. Et encore pour 12 jours, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment de ne pas tarder avant que ça ne disparaisse définitivement le 28 février. Voilà, vous avez vu toutes ces couleurs. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est sympa de se retrouver en live, surtout par ce temps maussade. Et bien voilà, je vous apporte le soleil et les arcs-en-ciel. Ça fait du bien au moral de voir toutes ces couleurs. Donc c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Et je vais le combiner avec un lot tampon poinçon, hop, qui s'appelle arc-en-ciel de bonheur. On reste dans les arcs-en-ciel. Voilà, une collection Putchy qui donne la pêche. Oui, je suis bien d'accord. Coucou Jacqueline, comment ça va? Donc voilà avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. Nous démarrons la création de cette carte. Alors, pour celles qui et ceux qui avaient vu la publication de l'événement, vous aviez la liste du matériel dont vous aviez besoin. Je vais vous redonner tout de suite les mesures, enfin au fur et à mesure, bien sûr. Et vous retrouverez sur mon blog après le live la fiche technique que vous pourrez télécharger et la liste des produits que j'aurai utilisés également aujourd'hui pour la création de la carte du live, mais également pour la carte de présentation. Donc, si vous n'avez rien préparé, no stress, on profite et on fait après. Nouveaux horizons, Héloïse, tu l'aimes bien? Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Maroutine, pas de soucis, ma biche, gros bisous. Alors, pour la base de la carte, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 29,7 par 10,5. Ce n'est ni plus ni moins qu'une feuille A4 coupée en deux. Donc, très simple. Okay? L'essentiel en fait des plis hein, va se faire là-dessus. Il y a deux plis à faire. Et après, c'est de la déco. C'est tout. Donc, ça, c'est top. Donc je vous laisse la petite mesure ici, je vais essayer de la laisser dans le champ, hop, pour que vous l'ayez et on va démarrer tout de suite en faisant les fameux deux plis de cette carte. Hop, alors je prends mon coup de papier, voilà, je vais positionner mon papier sur le bord long en haut du coup de papier, ok, et les deux fameux plis seront à 14,85. Donc entre 8 et 9, hein, pas de stress. 14,85. C'est une commande déçue. Jacqueline, oui, c'est peut-être le livreur UPS qui arrive chez Maroutine. Allez savoir. Et le second pli à 17,85. Et voilà! C'est fait! Oui, 85 Annelise, pas de stress. On se positionne entre le 8 et le 9 et ça sera parfait. On n'est pas à un demi-millimètre près quand même. Voilà, quand je vous dis c'est fait, c'est que vraiment c'est fait en fait. Ce sont les seuls plis que vous aurez à faire pour cette carte. Le reste, c'est le plaisir de la décorer, de l'assembler, de la customiser et de penser à la personne à qui vous allez l'offrir. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure que ça serait pour la fête des grands-mères. En effet, ça arrive très bientôt. Donc, c'est une excellente idée de penser à elle. Alors, maintenant que ces plis sont faits, je vais hop, insister avec mon plioir. Toc. Voilà. Donc, ici, ensuite, tout à l'heure, on viendra coller donc, cette partie-là. Vous voyez, ça donne ceci.
Et quand ça sera plié et collé plutôt, hop, voilà, ça donnera ça. Alors, les plis 14,85 et 17,85, Anne-Lise. Voilà ce que ça va donner. Alors, pour la déco, c'est parti, on y va. Pardon. Je prends mes papiers, j'ai découpé un maximum avant. Alors, il vous faut du matage uni. Qui mesure donc 11,2 par 10 cm. J'en ai coupé deux tout simplement parce que je vais en avoir un sur le devant de ma carte ici, tout simplement. Et j'ai fait le choix d'en ajouter un à l'intérieur, voilà, pour donner un petit peu plus de peps à l'intérieur de ma carte. Ok ? Si vous vous souvenez de la carte de présentation, c'est également ce que j'avais fait ici en mettant en matage mon ardoise bourgeoise. Donc, le matage uni, je vous le mets là. Voilà. Ensuite, un deuxième matage plus petit, vous l'aurez compris, pour la bande du côté, qui mesure, elle, 10 par 2,5. Ça marche ? Pas de panique si vous n'avez pas coupé vos papiers, que vous n'avez pas eu le temps de les préparer à l'avance. Voyez, vous avez déjà les mesures à l'image et puis vous retrouverez la fiche technique sur mon blog ensuite, donc... Pas de panique. Ce papier viendra donc ici. J'ai choisi la couleur piscine partie aujourd'hui. Je suis très dans le bleu en ce moment. Je crois que vous l'auriez remarqué. Coucou Lydie, comment ça va? Ensuite, on va se focaliser sur ensuite le papier design. Alors, je décale tout mon papier ici. Le papier design pour l'avant de ma carte ici. Mesure 10,7 par 9,5. Oh, merci Célestina, ça a l'air de vous plaire, c'est cool. C'est gentil. Donc 10,7 par 9,5. Donc j'ai pris ce joli papier design du papier de la collection Après la pluie, le beau temps, avec des jolis petits nuages. Sachez que ces fameux nuages du papier design, on peut s'amuser à les découper grâce à une perfo. Qui est la perfo nuage. Elle s'adapte parfaitement à ces nuages ici. Donc ça, c'est super pratique. Et mon autre morceau de papier design ici, bien sûr, 9,5 par 2 cm, tout simplement. Alors, je vais mettre à côté, parce que du coup, je vais finir par arriver dans le vide en bas. Toc. Alors, j'ai coupé dans la continuité, vous avez vu. Donc les nuages se rejoignent ici, voilà. Ensuite, nous avons besoin d'à peu près 60 cm de ruban que l'on va disposer ensuite. Je suis restée dans le piscine partie. Il est très très fin, mais vraiment très joli. Il est un petit peu brillant, donc ça c'est sympa aussi, vous savez que j'aime ça. J'ai reçu la petite carte avec le reste de ma commande, trop contente. Bah super Lydie, ça me fait plaisir. Elle sert aussi pour les étiquettes avec un message. Ma petite Mumu, tu ne crois pas si bien dire. En effet, regarde la préparation de ma carte. Et voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En effet, on peut se servir du petit nuage comme d'une étiquette. Exactement. Nous sommes sur la même longueur d'onde, petite Mumu. Ok, je vais déjà coller tout ça. Et puis après, je vais vous montrer... Hop, le reste de la déco et l'intérieur, ainsi qu'une petite astuce pour l'enveloppe aussi, vous allez voir. Alors, je colle, toc, mon papier design. Celui-là, je peux coller sans problème. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est vraiment très, très, très simple. Et on peut donner des aspects et des thèmes complètement différents. À ce style de carte, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu original. On peut mettre en valeur le ruban. Et c'est super rapide à faire. Tu m'as pas vu danser. Non, je t'ai pas vu danser. C'est beau ce nuage. Oui, Marie-Claire, il est vraiment très joli. Tout simple, mais il rend super bien.
Fabienne, tu faillotes. Non mais. Me font trop rire. Hop. Alors, voilà. Donc vraiment tout simple. Toc. Oui, il est joli, hein. Puis là, le sentiment, il tombait pile poil. Je vais vous montrer après à quoi il appartient, justement, ce sentiment-là. Hop. Voilà. Toc. Alors, dites-moi, en attendant que je colle ça, celles qui ont préparé leur matériel, avec quoi faites-vous votre carte aujourd'hui? Dites-moi. Quelle collection avez-vous choisi? Je vais déjà coller mon matage aussi ici. Célestina, j'adore vos emojis, hein. C'est top. Voilà. Ça, ce sera bon. Je vais passer un petit coup de plioir ici parce que j'ai un petit bourrelet de papier. Donc ça peut arriver hein, quand on découpe notre papier avec le coupe-papier. Il fait un petit bourrelet au bord, mais voilà, on passe juste le plioir et on n'y voit plus rien. Pour écrire le petit mot, bien sûr, à l'intérieur. Coucou Nathalie, ça va bien? Il vous faut, donc si vous avez mis un papier de mattage en dessous comme moi, il vous faut un morceau de 10,7 par 9,5. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et si vous ne mettez pas de mattage, votre papier mesurera 11,2 par 10. Ou rien du tout si votre base est blanche. Voilà. Et que vous souhaitez laisser tout blanc. Alors, nouveaux horizons. Quel ruban avec du jean? Le ruban de jean, ma belle. Peut-être. Je viens coller ça, Camille. Pas de réaliser en même temps, mais ce sera avec bonjour amical. Ah oui, il est beau celui-là. Papier de la save aussi. Hop, voilà. Et quand j'ai coupé mon papier, j'avais une petite chute de papier design. Toc. Donc une petite bande d'un centimètre que je vais coller sur la gauche ici. Voilà. Et ça va embellir encore un peu plus l'intérieur de cette carte. J'adore. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va? Toc. Voilà. C'est tout bête, hein? Juste une petite bande de papier d'un centimètre et toc. Voilà, on a l'intérieur de notre carte qui est un tout petit peu plus jolie. Elle a un tout petit peu plus de peps. Marie-Paul, pour vous aussi, coucou amical. Ah, super. J'ai hâte de voir, hein? Papier design, beauté, marbré, mon chouchou. Alors, maintenant que ça c'est fait, pour décorer un petit peu plus ici, j'ai découpé une bande de papier. Je suis restée dans le blanc, mais je me suis amusée à le gaufrer dans un classeur de gaufrage qui est super joli, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un lot de deux. Donc, on a rayures et éclaboussures. Donc, j'ai simplement embossé mon papier blanc avec le plioir éclaboussure. Vous allez voir. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous amuser à lui passer un petit goût de brosse à estompe ou de doigt à éponge, par exemple. Célestina, ah, tu t'appelles Luna en fait. Merci beaucoup de la précision parce que c'est vrai que parfois il y en a plein qui ont des pseudos et du coup je les appelle par un certain prénom et c'est pas du tout ça. Donc c'est top, bienvenue Luna en tout cas. Moi certainement petit Modou, mais quand? Ah, oh, je suis sûre tu. Ah oui, je suis sûre tu vas le faire. Donc voilà, vous avez vu comme ça rend super bien. C'est vraiment trop joli. Donc je vais venir le coller ici. Voilà, ça va rehausser un petit peu, accessoiriser l'avant de la carte. Et puis ensuite, je viendrai. Je ne vais pas le coller tout de suite, je viendrai. Coller les découpes que j'ai faites. Je suis en train de chercher ma petite pince pour les attraper facilement. Ce sera sûrement avec les tulipes. Ah oui, les tulipes sont tellement belles. Je crois que tu l'aimes bien, Lydie, celle-ci. Donc j'ai découpé déjà mon arc-en-ciel, mais
en plusieurs fois dans différentes couleurs. En l'occurrence, ici, piscine partie, mélodie de mangue, magenta en folie et pétale rose pour finir. Donc, ça va venir embellir, ressortir super bien sur le devant de la carte. Et j'y ajouterai ensuite des petits nuages qui font partie aussi du set de poinçons. Regardez comme ils sont trop choupinous. Hop, voilà, ça va égayer ce petit nuage. C'est ce que je vais venir mettre ici. Alors, le morceau blanc embossé mesure combien? Eh bien, il mesure 6 par, je vois plus clair, 10,7. 6 par 10,7 pour la petite bande. C'est moi qui ai fait la composition florale. Ah oui, ok, super. Ah, pardon. Avant de venir là, faire ma petite déco devant, je vais d'abord venir poser mon ruban. D'accord? Ça sera plus facile. Pour cela, je vais venir déposer du double face, donc sur le pli là, à l'intérieur. D'accord? Sur la bande ici. Donc je vais le centrer. Voilà, je dépose mon double face. Toc. Voilà. Et je vais positionner simplement mon ruban de façon à ce que il... Je fais n'importe quoi. Là. Ça va être drôlement mieux, Harmonie, si tu fais ça comme il faut. Voilà. Je laisse un peu de jeu partout. Ok. Donc, je peux maintenant positionner mon ruban. Voilà, super. Donc après, je vais le ramener pour pouvoir faire mon nœud. Et je vais venir remettre du double face pour coller ce petit pli. Pardon, j'ai été trop vite pour les couleurs. Merci de les avoir notées du coup. Hop, voilà, je vais en déposer un petit peu sur le ruban. Toc, pour être sûr que ça colle bien. Ah, excusez-moi. Non, je ne veux plus d'alarme. Je suis désolée, j'ai oublié de les enlever l'autre jour. Ok. Et donc, je vais pouvoir venir coller ça maintenant. Hop. Je vais l'attraper par ici, parce que si j'attrape du côté du ruban, il ne voudra pas sortir. Voilà. Et du coup, toc. Là, c'est bon. Je prépare mon petit nœud. Les deux questions. Ouais, c'est exactement ça. C'était ça le truc. C'était pour les questions de la chasse au trésor des portes ouvertes de la semaine dernière. Hop. Bon. Je vais aller moins vite. Voilà, comme ça je veux faire quelque chose de plus joli et de plus propre. Ça sera tellement mieux. Voilà. Allez, viens là. Il a décidé de m'embêter. On y est presque. On y est. Voilà. Je ferai la petite coupe après, mais au moins il est maintenu, donc tout va bien. Alors, je continue la déco ici. On veut une question du coup. Vous voulez une question? Qu'est-ce que je pourrais bien vous poser comme question? Attention, ne trichez pas, il n'y a rien à gagner. Hein. C'était la semaine dernière ça. Hein. Comment s'appelle le set de tampons qui est offert aux hôtesses pour les ateliers ou les commandes groupées ou les gros montants au-dessus de 375 euros dans lequel il y a une souris? Je veux son nom orthographié sans faute dans les commentaires.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, je viens coller mon arc-en-ciel. Vous allez voir, ça va donner super bien. Hop, je prends ma petite pince. Et zouf. Je centre ça. Est-ce que vous pensez que ça va vous plaire, cette carte? Dites-moi. Ah, les nœuds, c'est galère, hein? Ouais, moi c'est pareil. Pour ça, là, il n'est pas trop joli, mais je le referai mieux après au calme. Parce que déjà qu'au calme, c'est pas toujours top. C'est pas le truc pour lequel je suis la plus douée, hein. Bravo les filles! Hop, il y a un petit écart entre chacun des arcs. Oh, ça va être trop joli. Le magenta en folie, vous le savez, hein, il fait partie des Incolor 2020-2022. Et au mois de mai, ça sera fini. Ils seront partis. Comme le Mystérieuse Brume, le Juste Jade, le Cidre à la cannelle et le Beau Bourdon. C'est ça que j'aurais dû vous poser comme question, la cruche que je suis. Hop. Voilà. Toc. Il me reste à venir positionner mes petits nuages. Donc, je vais venir ici, celui-ci, je vais le mettre avec des dimensionnels et les autres avec des glue dots. Alors, mes dimensionnels sont là, mais un peu loin. Hop. Je les attrape. Voilà. Donc, sur mon gros nuage, un dimensionnel à l'arrière. Toc. Voilà. Je vais le mettre un peu en décalé ici. Je vais mettre un autre petit nuage, mais cette fois-ci, hop, je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre un glue dots là. Sinon, ça va faire trop épais. Voilà. Toc. Il est à l'envers, mon nuage. La gourde. J'ai pas mis glue dots au bon endroit. Je savais bien qu'il y avait un truc qui me plaisait pas. Là. Voilà, un petit peu en décalé. Toc. Voilà. Ça donne un petit peu de dimension à tout ça. Et même principe pour le deuxième. Oh, un devrait suffire. Une jolie cruche alors, même pas ébréchée. Oh ça. Gros bisous Rachel, à très vite ma belle. Alors, mon petit nuage dans le bon sens, tant qu'à faire. Donc là, je vais le mettre là. Hop, ça va cacher le bas de l'arc. Cruche, gourde, la prochaine, c'est quelle carafe? J'avoue, j'avoue. Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus bas. Et du coup, le dernier petit nuage, hop, avec le glue dot cette fois. Donc, je ne me trompe pas d'endroit, je le mets bien à gauche. Voilà, et je vais le positionner, hop, sur le précédent. Voilà. Super. Il me reste mon petit sentiment, mon fameux petit nuage perforé, donc avec la perfo prévue à cet effet, qui, je vous rappelle, peut couper les nuages du papier design sur lequel j'ai tamponné donc un sentiment qui s'appelle C'est ta journée. Et lui, en fait, il vient du set de tampons Tourbillon d'émotions. Voilà, vous voyez, il est là. Donc un set de tampons qui est super sympa. Et du coup, voilà, j'ai eu envie d'utiliser celui-ci. En plus, ça tient nickel. Donc, je trouvais ça pas mal. Je viens rajouter des dimensionnels, mais sur le bas, puisque j'ai la surépaisseur déjà de mes nuages ici. Voilà, comme ça, il sera bien maintenu. Toc. Oui, moi aussi, Cathy, je l'adore, ma pince. Voilà, et je viens. Ouais, il est un peu. Bon, je veux juste le mettre au bord de mon papier là. Voilà. Toc.
Voilà. Et les deux petites touches finales, une pour la carte et une, c'est une astuce. Je vais rajouter des petits brillants, donc les cristaux cristaux du Rhin irisés. Coucou Sylvie, oui, pas de problème pour le replay, avec plaisir. Merci Muriel. Alors, on voudrait tout avoir. Ouais Lydie, je suis assez d'accord avec toi. Et j'avais le même problème, hein. C'est aussi pour ça que je suis devenue démo, c'est pouvoir profiter des produits un petit peu moins chers et me faire plaisir un petit peu plus. Alors, hop, un petit peu de déco pour donner un peu de brillant à la carte. Allez, une ici. Hop, on y va en douceur. Et voilà. C'est joli, hein? Ça vous plaît? Très jolie carte. Merci, merci. Je terminerai en replay. Je suis en rate, mais j'ai le temps. Marcel, avec grand plaisir. Oui, il faudra reprendre le replay tranquille. Il n'y a pas de stress à avoir. Pas de panique. Vous aurez tout ce qu'il faut pour la refaire. La dernière petite astuce que je voulais vous donner ne concerne pas la carte directement, mais l'enveloppe. L'enveloppe, je n'ai pas tamponné, mais vous voyez, j'ai comme pour le bandeau de carte ici. Coucou Nathalie, oui, pas de problème pour le replay, ma belle. Eh bien, j'ai embossé en fait notre rabat de carte ici, toujours avec le pliroir de gaufrage éclaboussure. Tout bête. Et là, par contre, cette fois, je ne vais pas le laisser complètement blanc comme je l'ai fait pour la carte ici, mais je vais simplement venir lui donner un petit peu de couleur avec ma brosse à estompe et avec la carte. La brosse et avec l'encre piscine partie pour rester coordonnée. J'aime beaucoup, je terminerai de la faire avec le replay. Pas de problème, Patricia, avec plaisir. Coucou Flo. Oh, j'étais en train de faire du scrap et j'ai pas vu l'heure. Bah oui, mais ça, c'est la meilleure des excuses en fait. Y a aucun problème là-dessus. Je vais prendre une feuille de brouillon. Hop. Pour ne pas déborder, tout simplement. Voilà. Et je vais venir coloriser en fait cette partie. Voilà, je décale un peu là. Voilà, j'enlève le surplus sur mon brouillon. Et je viens juste passer ma brosse délicatement pour lui donner un peu de couleur à cette enveloppe. Voilà, ça rappellera les couleurs de la carte. Tout simplement. Hop. J'enlève le surplus et je viens ici passer tranquillement en faisant des petits cercles. On vient frotter, caresser notre papier tout simplement. Ça s'imprègne très très bien. Voilà. Ça a un côté très agréable à faire ça. Voilà. Hop, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste histoire de rajouter une petite touche finale. Même couleur que le vernis. Oui, je disais que je vivais en bleu en ce moment. On a des périodes comme ça, hein. Et donc voilà, du coup, on a l'enveloppe qui est tranquillement dans les mêmes tons. C'est ça, tout en délicatesse, exactement. Et qui est donc coordonnée avec notre carte. Peut-être qu'avec ma luminosité, vous ne voyez pas très très bien la couleur ici, mais vous le verrez mieux. Sur les photos, sur le blog tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc voilà cette petite carte qui est terminée. Voilà, qu'on a embellie et puis qui est vraiment très facile à réaliser. Je vais couper un peu mes petits nœuds là. Voilà. Hop. Un petit peu en biais. Et voilà. Et voilà, notre carte à pliage facile. Vous voyez, je vous avais promis que ça serait hyper simple à faire. Je ne vous ai pas menti. Donc, on a la version symbole porte-bonheur et la version après la pluie, le beau temps. Des couleurs assez différentes, mais très sympa. C'est pas la vie en rose. Eh ben, pas en ce moment, mais ça va revenir la vie en rose. Mais t'inquiète pas. Hein. Voilà.
Ça y est, nous avons terminé nos cartes à pliage originales. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la création de cette carte vous a plu. Super simple et tellement beau ce modèle de carte. Oui, vraiment très très simple. Merci Jacqueline, merci Fabienne, merci Véronique. Oh, c'est gentil tout plein. Qui fait style naissance. Oui, oui, et ça, effectivement, ça peut faire naissance, effectivement. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été si nombreux cet après-midi à me suivre en live. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'ai hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à les partager avec le hashtag HarmonyScrap. Comme ça, je suis notifiée en fait et je peux voir vos cartes. Si vous regardez ce live en replay, il est toujours possible de le partager. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, tout est possible, les petits pouces, les petits cœurs, les partages. Voilà, c'est grâce à vous tout ça. Merci pour ce beau lit des... Ah, pour ce beau... Merci à vous Marie-Claire. Gros bisous Louison. Véronique, ça t'a fait un bien fou de passer cette heure avec moi. Écoute, merci beaucoup. Moi, je ne demande que ça, vous faire passer une petite heure tranquille, créative, et puis juste se faire du bien. Merci ma Camille, merci Patricia. Je vous abandonne, je vous souhaite une excellente après-midi. N'oubliez pas la celebration, la fin est dans 12 jours, donc profitez-en. Et si vous avez des questions concernant les produits ou pour rejoindre mon équipe, eh bien contactez-moi, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Ciao, ciao !